vendu les grenades, je suis bête. Ah. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Salut Keyflag pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Ouais. Voilà. Donc, rebonjour. La dernière fois, on s'était quitté sur... sur une petite défaite, j'ai envie de dire. On vous avait expliqué comment faire pour faire spawn le boss. Aujourd'hui, on va s'occuper, tout simplement, d'aller botter le cul du boss. On a avancé dans le sous-sol afin de créer de nouvelles maisons pour de nouveaux PNJ. Notamment la dryade et le vendeur d'armes, que vous verrez. Bon, on n'a pas fini vu qu'on n'a pas fini, et tout. Et on utilise ces grenades, là. Oui, c'est gratuit, les grenades. Donc, bien sûr. Alors, je te propose de poser tout son argent pour éviter qu'on est quand même loin du truc, donc on n'a pas le droit de perdre, tout simplement. Pas le droit de perdre. Donc, je te propose qu'on y aille. Donc, okay. J'ai déjà crafté le truc. Je vais t'en passer un pour que tu montres. Hop, c'est ça. Donc, ça se craft avec, j'ai regardé, 30 poudres infectes. Et 25 ou 15, je m'en souviens plus. Donc, deux morceaux pourris. Donc, on est parti en chercher quand même pas mal. Bon, oh bah, viens, on va vers la corruption. On va préparer une petite arène. Ouais, en fait, je suis bête. On va récupérer du bois afin de pouvoir faire l'arène, justement. À transformer en truc. Enfin, tu m'as compris, quoi. Mmh. Alors, on a de quoi en faire. T'en as un sur toi, c'est ça? De quoi? Récupère du... Ah bah, Atalia est arrivée. T'es avec une hache, mais je dis ça, je dis rien. Non, ça, mais t'es des cheveux. T'es des cheveux, t'es du bois. Du Superman. Quel est juste Superman. Alors, on récupère du bois pour pouvoir faire des. Et comment ça s'appelle déjà? Oubliez non. Aide-moi toi. Tu vois les barreaux, enfin. Les barreaux, non, les. Ah! Motherfucker. Mais non. Et plateforme en bois. Alors, dans cet épisode-ci, on va se stuff déjà en bas de boss. De quoi? Bon ou pas? Oh, voilà, deux secondes. Pour l'autre. Alors, on va faire le boss. C'est pas le cas. On va faire le boss plusieurs fois même. Il va être assez rapide, donc soit il trouve comment on fait des accélérés, soit bah on sera obligé de tout voir. Non, c'est pas la mort non plus. Hein. Mais bon. Ouais. Bah c'est tout ce qu'on va faire. Après avec ça, on va pouvoir se faire des stuff plus décents que ça. Et on va se laisser là-dessus. Ça va prendre quand même un peu de temps. Bon, alors, pour faire. Faut chercher une assez grosse crevasse ou sinon on va devoir faire en l'air. Il va pas apparaître souvent en fait, ça tue. On va regarder, je cherche un endroit parfait. C'est pas parfait. C'est un champignon en fait. Là. Tu vois quand j'en ai plus besoin. On a chié pour les trouver les champignons. Hein. Qui a dit que c'était Superman? Alors, attends. Oh, fuck. On peut pas passer par là. Alors, c'est bon quoi, mamie? Ouais, je pense que ça devrait suffire là. On monte en haut. On est dans la merde. C'est bon. Ah, je sais. Bon, couvre-moi tant que je fasse la reine, s'il te plaît.
peux la faire ici. En l'air. Ouais. C'est en l'air qu'on doit la faire, la reine. Hein. Non, ça marche pas. Vas-y, bordel. Bon, je pense qu'on va faire avec les mobs autour. Ils sont pas très très forts. En fait, non, non, c'est chiant. On sera tellement préoccupé sur le boss. Putain, bordel. On est marre de la vie. Heureusement que t'es là pour me couvrir. Si je peux me permettre. Oh non. Oh, oh la grenade cross the map qui finit sur les lapins. Qui cam final, wesh. La gueule. Bon, par contre, on n'a pas le droit de mourir parce que sinon il va des pop et de toute façon, c'est difficile de mourir contre sous boss. Hein. Bon, après ça, le prochain objectif c'est encore de se faire un nouveau stuff mieux et beaucoup plus space et surtout de monter notre vie parce que moi j'ai que 5 heures, lui il en a 7, je sais. Mais face au prochain boss, je pense qu'elle va pas être suffisante parce que faut avouer qu'on n'est pas des super pros pour le prochain boss, même avec le stuff qu'on va avoir, qui sera sûrement assez simple. Mais ouais, en gros, va falloir trouver de la vie. Du coup, on va partir dans les cavernes, voir ramasser des coffres. Pas les ressources, puisqu'elles ne seront plus d'aucune grande utilité, sauf au niveau, on va dire, comment dire ça, décoratif. Enfin, bon, c'est pas, on fera de la déco. Et plus tard, on pourra même vous montrer notre maison qui est sur notre vrai monde. La maison, soit. Elle est sympa la maison, c'est notre vrai monde, non? Bah oui, bien sûr. Oh, bon, j'aime pas trop, mais c'est moi qui l'ai faite. Je la trouve vraiment pas terrible. Enfin. La gueule d'une maison. Oh. Viens, tu retournes à l'endroit où on était, s'il te plaît? Non. Putain, mais sérieux, vous avez une machine trop. Viens, viens. Déjà, tu me comprends plus tard. Hein. Mais tu peux venir me couvrir? C'est un peu chaud de le faire avec. Oh putain, mais j'ai même pas le temps de poser la barrière. Non. Des trucs, voilà. Stop. J'ai dit stop. You shall not pass. Mais non, mais j'en ai marre. J'en ai marre, laisse-moi tranquille. Lucas, il y a une idée. Non. Pardon? Bien sûr, j'arrive. Je sais pas. Oh, j'ai con. C'est une blague. De quoi? J'arrive pas. T'es sérieux? Je viens chez toi, moi, je m'en fous. J'ai fini, tu peux venir. Attends, je prends trop des coffres. M'en fous, tu viens tout de suite. Je vais pas te faire foutre. Hein, voilà, moi je prends des coffres. J'aime trop les coffres. Les bâtons de mineur. Tu trouveras plus tard. Oh ma merde. Voilà. C'est ça. Ils sont passés. Ah, ils sont passés. Ouais. C'est bon, viens, j'ai fini. Ok. On devrait cette fois, parce que avant c'est un mensonge. Bah, je te propose que tu vas l'appeler le premier, boss. Bah, dépêche-toi de venir. Non, en fait. Voilà, quoi. Voilà. Viens vite. Utilise ton miroir et reviens si t'es trop loin. Ok. Je suis trop loin, je reviens sur la carte. Tu seras plus rapide. Par là ou par là? Bonjour. Miroir magique. Bon, il est... En fait, ce serait pas mal de faire une enceinte autour parce que, en fait, lui c'est un gros, il invite tous ses potes. C'est pas le boss qui est compliqué, c'est juste que j'arrive le boss. Et tous les petits monstres qui sont autour. Génial. Puis là où? Détache. Bah on va dire que là on a quand même bien avancé. Hein. Bah oui. Mais comparé à la première partie qu'on a fait, on y est beaucoup plus vite. Bon Lucas, pas que t'es long hein, mais un peu. Moi c'est dessus. Dépêche-toi! Enfin, sinon reviens par l'autre côté. Non, mais sinon j'ai rien. Ok, en fait, c'est marrant comme il est. Ah, je peux l'ouvrir!
pas que je suis en train de me faire attaquer par tous les monstres, mais bon, un peu quand même. Marche tranquille, moi, là. Mais toi, t'es pas dans la corruption. Oh, merde. Voilà, bravo. C'est la grenade. En trop. Bon, t'as intérêt que quand j'y suis, tu y es, hein. Je reviens. Non, t'inquiète pas, je te fais souffrir. Non. Si. Alors, logiquement, on gagne environ 25 écailles par boss, enfin, par truc. Donc, ça nous en fait 75. Si c'est qu'on fait. Enfin, on verra si on arrive à faire un stuff avec. De toute façon, bah, en gros, pour faire le prochain stuff, il vous faut de la démonite comme le dernier boss. Il vous faut de la démonite et des écailles sombres. Qu'on ne trouve pas sur le dernier boss, on ne trouve que sur celui-là. On trouve aussi de la démonite sur ce boss. Sinon ce serait pas bien. L'œil de fou, en fait, c'est juste pour avoir la démonite, se faire un tuyau de lumière, ou voir si on a un peu de soucis de démonite et qu'on en a pas assez, de le reprendre, en fait. Donc, normalement, on devrait avoir assez de tout. Je ne pêche pas, là. Il est gonflé, le mec, hein. C'est moi qui me fais attaquer par les centaines de monstres du monde. Oh, mais t'es bientôt là. Non, je me casse, là. Je suis pas bien. Crevé, ça. C'est bien tard. Oulala. Je suis là. Il me reste quoi? Il me reste à peine 2 coeurs. Dépêche-toi. Je suis juste en dessous. Voilà. Oh, non, non. T'es complètement fou, ma parole. Mais bon, ah non, je te jure, je meurs à cause de toi. Réveille. Et sinon, il y a une tête qui s'est baladée toute seule. Oh mal, c'est un petit bug. Bon, il arrive ou pas? Oh, il se balade tout seul. Tu bugs toi aussi ou? Bah non, il se balade. Ah non, c'est... Merci. Sérieux? Ma gueule. J'arrive. Il est où là? C'est gros bordel. Regarde sur ta carte. Putain, mais moi je bug, je vois pas son corps. Mais comment t'es mort? Comment? Mais quand tu étais tout seul, alors qu'il y avait des devoirs, plus un devoir du monde, plus. Voilà. Maintenant, c'est Kuroko parce que j'ai eu un bug, je le voyais pas en fait. Je me voyais me faire taper, mais je le voyais pas. Je lui ai juste la tête. Je crois que fort. Et je m'en repars, ma grenade. C'est pas très bien. Vas-y, fais une coupure, on va retourner là-bas. Gros fake. Gros fake. Méga fake. Méga gros fake. En même temps, si tu m'avais attendu que j'aurais été prêt, on n'en serait pas là. Pourquoi tu balances une grenade? Si tu m'aurais attendu, on n'en aurait été pas là. Mais non, monsieur. Monsieur, il balance le devoir de monde tout seul. Après, je suis même pas prêt. T'as des potions au moins? Une potion de soin. Va en chercher, va en acheter au mec. J'en ai plein, potion de soin. Ah bah c'est bon. Il faut juste attendre. Faut attendre une minute pour en prendre un, tu dis. Oh non, il y en a tout de suite, hein. C'est pas l'humeur de chair. Pas besoin d'attendre. Non, j'ai dit, pour reprendre une potion de soin, il faut attendre une minute. Okay. Ah oui. D'ailleurs, sur Mimic, j'ai trouvé un truc du philosophe. Bon, Satan, on rentrerait à la corruption quand on arrive ensemble. Merci. Alors, on vous expliquera plus tard, mais il y a un autre moyen de l'invoquer, le dévoreur de monde. En fait, on vous montrera en image. Il faut casser des petites boules, et quand tu as cassé trois petites boules, et ben t'as le dévoreur du monde qui t'attaque direct. Et sachant que les boules sont dans les mines, ça lui donne quand même un petit avantage de terrain. Un tout petit, hein. Pas grand chose. C'est nul. Putain, mais t'es sérieux, tous les monstres? On va se débarrasser un peu de la proche qu'il y a avant.
C'est parti, bitches. Ouais, on a le droit. Dégage, dégage. C'est pas lui arriver celui-là. Comment m'en... Tiens, meurs. T'as un problème? Oh bah oui, la paye. Meurs, bitch. Qu'est-ce qu'il y a lui? Qu'est-ce qu'il y a toi? Bam. Bitch, meurs. Ah boum boum boum. Et en fait c'est un... You. Vous voyez? Voilà. Mais il est une grenade. Oh, par contre, ça va être chaud d'aller chercher tout ce qui. Putain, mais t'es pas sûr! Vas-y, tu finis tranquille là. Je crois que non. Alors, meurs pas. Non, ton incapacité. En vrai, je suis tombé. De ma capsule, ma gueule quoi, c'est juste toi qui est mort. Il est mort, hein. Et alors. C'est l'épisode fail. Non, c'est pas grave, on aurait tué un petit bout. Je crois qu'on aura un peu de. Un peu de son step. Mega fail. Bon, t'inquiète, il m'en reste encore un. Ah, c'est toi le fail, quoi. Bon, c'est pas très instructif pour vous. Mais bon, en gros, vous avez compris le principe. Alors, je vous conseille, parce que nous, la copée, on est vraiment des gros flemmards. C'est de faire une enceinte autour du bordel. Pourquoi il y a encore la musique? Sérieux, il y a encore la musique? Tu crois vraiment que c'est moi qui ai inventé ce jeu? Non. On vous conseille de mettre... Pourquoi il y a encore la musique du bass? je vous conseille de mettre... J'arrive même plus à me concentrer. À mettre une enceinte en ce que vous voulez autour, histoire que les autres dévoreurs ne viennent pas vous emmerder. Je pense qu'en fait cet épisode va faire fail. On va refaire d'autres dévoreurs la prochaine fois, on se préparera mieux. On va faire en mode gros flemmard. Ah. Non, vous êtes incapable. Jamais 203. C'est ton tour maintenant, t'es mort deux fois, il te reste encore une mort. Je suis encore tombé dans un chasse. Je suis en train de faire mon romain là en fait. L'étoile. Romain, c'est quelqu'un à nous qui meurt toujours dans les trous. C'est-à-dire il saute dedans, il meurt. Voilà, c'est dit. Romain, je te fais de la mauvaise publicité. Ouh, je suis à mon gars là. Boum, allez. Wouah, c'est magnifique. T'es au loot? Ouais. Putain, si j'étais pas tombé. Mais comment t'es mort après? Comment t'es mort? Il est si simple, il arrive même pas. Toi, c'est deux cœurs, ça que j'attends encore. C'est le truc mauvais qui te met dans le trou. Non, limite, c'est excusable, je suis mort en tombant. Oui, bah. C'est excusable. Encore pire, tu vois. Encore, pourquoi il y a encore la musique du boss? Oui, on commence encore plus la honte. De quoi? Mourir en commence encore plus la honte que mourir alors que j'ai du cœur. C'est une magnifique. Si je suis mort, totalement ridicule. Totalement. Ouais, je reviens au spawn, moi. Tu me vois en anglais. T'as tout repris? Ouais. Mais non, non! Mais faut que tu. Ah ouais, bah attends. Ah, mais t'es relou. Et donc, voilà. Alors, Je vais me suicider. Attends, je vais vérifier carrément. Donne-moi tout. Donne-moi. Voilà. Ah, c'est... Oui. Et voilà. Minable. Quoi? Faut pas le faire. C'est moi, rien. Moi, non. Putain. Alors, ça nous fait plus les derniers lingots de démonie. T'en en as 15. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 lingots? Rien du tout. Ah, c'est petit. Ah, on peut même pas faire la pierre démonique. Attends, c'est pas normal ça. Combien? Bon. Prends la barre en démonique, s'il te plaît. Ok, merci. Ça là. Lingo démonique. Il faut 12 et 6, normalement c'est bon, hein. Faut pas se... Ah, ok.
On passe à 20 minutes qu'on tourne, donc les deux battles vont se terminer. On n'a pas pu battre le boss, malheureusement. C'est des gros fails. Des gros fails, c'est ça vous êtes dur. Et il vaut rien. La potion de sol, vous vous montrez un truc. La potion de vision nocturne. Alors la potion de vision nocturne, voilà. Donc, comme son nom l'indique, c'est une potion pour voir la nuit, hein. C'est bizarre. C'est pas ça. Attends, là, je te donne une pioche en or. Bon. Moi j'ai une pioche cosmardesse meurtrier. Donc là, sans la potion de vision nocturne, donc là, voilà, comme ça. Et là, avec la potion de vision nocturne. Oh mon dieu. Bonjour. Remarque, ouais, ça change quand même, enfin, non. Bon, non, pas du... Non, j'ai rien dit, en fait. Donc voilà. Enfin, non, voilà, j'ai donc... Regarde, on lance un truc avec les portes, avec le drapeau, en fait, comme ça, ça fait... Vous voyez que franchement, ça n'a absolument rien changé. Bon, il y a un petit peu de lumière, mais c'est les torches, c'est normal. Voilà, voilà. Enfin, là, vous voyez, je suis dans le noir. Je suis dans notre sur mon cul, ouais. Donc voilà, Bon, d'ici la prochaine fois, on fera une arène pour éviter de fail comme des gros porcs. On va faire une arène pour éviter de faire comme des gros porcs. On va essayer d'en refaire pour essayer de d'essayer de nous faire un self à tous. C'est-à-dire qu'on va devoir repartir chercher les champignons de merde. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.